Et lui les gens, bienvenue sur frappe-c'était-jeu.fr, son blog tissant3.fr. On se retrouve ici pour une nouvelle vidéo, une nouvelle rediffusion de live sur le jeu du coup Fallout 76. Après avoir joué à Starfield, on va aller chercher la suite de nos rangs de score là justement pour pouvoir avancer sur ce fameux tableau. On en est au niveau 31 et donc les quêtes quotidiennes sont sorties depuis hier soir du coup. Et donc utilitaire, là j'ai un kit de recyclage gratuit, on va le prendre. Pour Gérard, on va aller jouer. Est-ce que j'ai des copains qui sont déjà sur le jeu? On a Canerman qui est en ligne, donc on va le rejoindre au cas où. Et on va aller voir les succès qu'on a à faire. Ouais, ouais, c'est bon, justement. Et c'est pour ça, là, j'en ai commandé un, parce que ça fait longtemps que j'en avais besoin d'un disque dur, d'un SSD. Ça fait, là, j'ai un disque de 8 Tera qui est en 5400 tours, et il y a plusieurs Teraoctets de jeux installés, je pense, dessus. Je crois qu'il y a une centaine, 110, 120 jeux installés. Là, je me dis si ça serait dommage de continuer à jouer à Starfield, alors qu'on va avancer sur la quête principale, dans des conditions où on aura des petits freezes, des petits machins. Alors, charge ma base, s'il te plaît. Regardons un petit peu les bonus. Ma base, je l'aime. Jean-Boris de Lodby, il y a 15 secondes qui s'est lancé, on va aller voir. Défi quotidien, donc on a tué un fond en jeu, terminé un événement. Terminé l'événement, morceau de choix, recycler du bric-à-brac pour obtenir de l'huile. Bric-à-brac aluminium, fabriquer une grenade, mine une arme, j'ai estropié l'adversaire. Étoile dorée, terminer un défi quotidien et récupérer un réservoir de carburant ou une bonbonne de gaz. Bon, ça, on va directement relancer, ce qui paraît que ça plantait la dernière fois. À récolter du bois, c'est chiant. Donc ça, c'est ma base sur le jeu. Il n'y a pas besoin de faire de quête quotidienne aujourd'hui. Il y a déjà 13 personnes qui sont dessus. Ah ! Mais je vais arriver, il sera fini le truc. Ouais, non mais c'est ça, voilà. Ouais, ce qui tenait. Mais en fait, c'est quelqu'un qui me l'a offert le 8 Teraoctets. À la base, c'est Tartine, qui passe régulièrement, qui m'a envoyé ce disque parce que l'un de mes précédents disques est décédé. Et du coup, ben forcément, je me suis trouvé sans disque dur, pourvu qu'il soit pas terminé le truc. J'arrive en plein baston. Allô? Ça charge pas? Je vois pas les cadavres. Je participe à Steven parce qu'il rapporte des points vis-à-vis des... Par contre, l'événement se lance pas chez moi. T'avais une raison valable de... Ah, c'est bon. Je suis arrivé pile à temps parce que c'était la fin. Voilà. Je n'en ai aucune idée. Comme je te dis, j'y connais rien de mon côté. Ça me dit pas, à mon avis c'est fini là la quête. Ça se passe plutôt bien.
voit des gens qui se battent par là-bas. Ils sont plutôt efficaces, les gens, là, par là. Hein. J'aurais pas eu à faire grand-chose. Pas pour me déplaire. Ça me fait économiser des balles tout en ayant la récompense de fin de... Là, encore 20 secondes. Normalement, on devrait être tranquille. Et voilà, à nous les récompenses. Voilà, réputation qui augmente. Si j'avais des canaux lacrymo, j'en pleurerais d'émotion. Voilà, à nous la récompense. Alors que j'ai quasiment rien foutu. Du coup, on va revenir par ici. Attends, du coup, grand carton ancien, je lui ai dit bonjour, Valgoth aussi, Manuenka, coucou, Lykilium, Art Attack, Lydie Chanoir, Darklink, Polomix, je t'avais pas dit bonjour, je crois. Mais je t'avais répondu, Glaouch, coucou à toi, coucou Jandal Flegra et coucou Rion. Normalement, j'ai vu tout le monde, là, cette fois-ci. Parce qu'à 3h15, il va falloir que j'ai réveillé ma chérie. Et salut, Backer, comment vas-tu? Alors, défi. Toujours un peu cassé, mais ça va. C'est pas la fin du monde, quoi. Alors, grand carton ancien, c'est pas à jour du tout, mais normalement, sous le stream, t'as un truc qui s'appelle ma configuration, je crois. Et c'est pas à jour. Sur le PC de jeu, par exemple, j'ai une 3080. Parce que je voulais refaire intégralement la page, il y a plein de défauts partout dans les trucs qui sont écrits. Donc il y a même les écrans, je crois qu'ils sont pas à jour maintenant, j'ai deux Yama et tout, donc... Ah ah, c'est une très bonne question, Kadarek, elle bosse. Du coup... Voilà, et de deux. Oui, oui. Il me semble que c'est correct déjà sur deux chaises. On va chercher un penche là-bas, j'espère que j'aurai le temps d'aller terminer mes quêtes avant que... Voilà. Attends, j'ai pas fini, faut que je recharge. Et voilà. C'est bon, on est où là des défis? Récolter du bois, tuer un fongeur, on manque quelques-uns, ça va aller vite. Ah oui, c'est vrai qu'il y a les opérations quotidiennes aussi, personnages, bon ça on s'en fout. Je suis curieux de le voir, ouais, Stalker 2. Ma foi, ça a plutôt bien fonctionné. Il me faudrait un outil qui ferait popper de la... du plastique.
là je me soigne. On va tout récupérer, voilà. Cet endroit a une tonne de potentiel. Bah oui, c'est chez moi, c'est pour ça qu'il y a une tonne de potentiel. Je me demande si le monde entier est dans cet état. Attends. Donc faut que je regarde objet. Non, c'est défi qu'il me faut. Défi. Là, faut que je fasse quotidien. Arme de G. Recycler du bric-à-brac aluminium, huile. Aluminium, huile. Aluminium, huile. Aluminium, huile. Je n'arrive pas à oublier ces cauchemars. Je flottais dans l'espace à jamais. Mais pourquoi ? Normalement, on a tout ce qu'il nous faut là. Faut vraiment que j'aille récupérer du plastique. Voilà, ensuite. Je crois que j'ai jamais fait Noël aux habitants comme événement. Avec tous ces monstres qui ah si, on l'a, j'ai déjà participé. Heureusement, la plupart des gens comprennent l'avantage. Chernobyl, j'avais commencé, mais j'ai pas continué. Je crois qu'il était pas encore sorti en entier quand je l'ai commencé. Et Vaqueur, il me semble que je t'avais dit bonjour. J'ai un doute, mais il me semble que oui. Elle a été repoussée à 2024, hein, il me semble. Quoi qu'il arrive, ce jeu-là. Ensuite, W, défi, quotidien, fabriquer une grenade arme de G, récolter du bois. Ouais, ouais, on a vu, effectivement. Avec toutes les photos qui sont partagées. Non. Ah ouais, mince, publicité, je l'ai pas enlevée. Je pense tellement pas à ça. Et j'ai, pour l'instant, j'ai reçu aucun avantage sur le jeu, donc même si on m'en a proposé. Je n'arrive pas à oublier ces cauchemars. Je flottais dans l'espace à jamais. Mais pourquoi ? Et voilà, tiens, on a monté 3 niveaux d'un coup là. Bug là. Voilà. Prochaine étape, c'est la mamie. Il me reste quoi du coup comme défi récolter du bois, faire un morceau de choix et hebdomadaire, tuer un fangeux, terminer les opérations quotidiennes. Ça va se faire tranquille, ça. Même le first, je le paye, Lost Prod. Tous les mois. Donc non, j'ai rien eu. J'ai acheté le jeu moi-même et je paye mon first. Et coucou DJ NRF, comment ça va ? Waouh ! C'était quoi le défi que j'avais à accomplir ? Récolter du bois. En général, il y en a pas mal par là. Et donc, Didier, comment ça va ? Ça roule, écoute. Là, tout de suite, il y a un petit down. J'ai un peu nouveau la tête qui tourne, mais ça va quand même, ça va. Bon, allez, allons ramasser du bois. Est-ce que c'en est, ça, du bois, que je peux ramasser ? Non, bien sûr.
pas de bol. Tu vois, ça me manque ce type d'environnement là, avec des arbres et tout. T'es en accord que là, pour le défi, j'ai ramassé 10 de bois, mais il considère que... Ah non, moi, c'est pas le rhododendron qui m'intéressait. Le jeu considère que... j'en ai ramassé qu'un seul. Ah, l'événement morceau de... Parfait. On a combien là? Ah non, c'est pas morceau de choix qu'il nous faut, c'est l'autre. Attends, non, si, non. On va en prendre un au hasard et go. Je sais même plus. Attends, je peux essayer de dire ça. Sur Amazon. Hop, c'est là que j'ai commandé. Tuc tuc tuc, j'ai pris ceci. Tiens, ces gars ici. Hein. Vous avez une tête de diablesse. C'est rigolo. Oh, c'est un insecte horrible là. Hein. J'ai intérêt à me soigner vite là. Ok Didier. Ah je sais pas moi. Tant qu'à faire, écoute. Vous voyez que j'ai déjà plus d'une centaine de jeux installés sur le disque dur là. Ah. Pardon. Un chip squash qui pue. Il est tout vert. Aïe. Et voilà, ça c'est fait. Ouh, caméléon ultra site. Oh, j'ai un peu de tout déjà là-dedans. Et bah après sur, pour ce qui était le Windows, j'avais déjà des comment dire, j'avais déjà un SSD pour Windows, un SSD M2 machin chose. Je sais pas du tout si j'aurais une clé ou pas pour Robocop, et puis c'est pas un truc, un univers qui me plaît plus que ça Robocop, donc au pire. Bon, bah ça j'ai eu, et des filles, il me restait plus qu'à ramasser 7 de bois, et on y sera. Et hebdomadaire, faut tuer des fongeux, donc bon, il me reste quelques minutes avant d'aller réveiller Chérie, on est large, très très large.
Finalement, je suis resté pile le temps qu'il fallait sur... sur... sur Starfield. Non, c'est après. En fait, j'ai juste un SSD pour Windows et tout le reste est installé sur HDD. Parce qu'il n'y a pas assez de place. Il fait 250 gigaoctets, le SSD de Windows. Il y a deux ou trois logiciels qui doivent, par contre... être rapide, du coup, je les ai laissés dessus. Je sais plus quoi exactement, mais bon. Robocop, quoi. Ouais, mais bon, on n'a pas le même âge qu'Alaric. Et je t'avoue que moi, ça m'a pas marqué plus que ça, Robocop. Les grosses machines. Pas trop mon truc, quoi. Bah ouais, effectivement. Il fut une époque où il me fallait attendre 20 minutes quand il fallait que je redémarre le PC. J'avais qu'un seul PC à l'époque. Donc, quand je voulais redémarrer, c'était d'une galère. Genre, imagine le live plant. Pour redémarrer le PC, bah, il y avait 20 minutes d'attente, quoi. Peut-être que j'abuse et que j'extrapole un peu, mais on était à peu près dans ces eaux-là, quoi. Bah, tout dépend sur quoi on se base. C'était pas le bon temps concernant l'attente de redémarrage, mais c'était quand même agréable pour d'autres aspects. Alors non, m'attaquez pas, vous barrez. Pas besoin qu'on m'attaque, moi. Et Ah, moi j'ai pas connu le débit bas de gamme là. La DR, enfin le. Je sais pas, quand on a eu internet à la maison, c'était déjà la DSL. On a mis longtemps à avoir internet. Chez moi. Pareil qu'il y a un Terminator qui était pas dégueu, qui était sorti là normalement en jeu vidéo. Par contre Terminator, ouais j'aimais bien. Même si c'est des robots aussi, mais je sais pas, ça m'a plus plu Terminator que Robocop. Mission accomplie. Ensuite, je veux aller par là. Je suis tout cassé là, nouveau. Tiens, on vient de gargouiller, ça va un tout petit peu mieux. Ah non, le jeu raconte des choses, enfin pas le jeu, le film raconte des choses très intéressantes de Robocop. Hein. Mais c'est pas mon style en fait, c'est trop futuriste pour moi Robocop. Sans l'être, parce que bon, c'était le futuriste d'une autre époque, hein, mais... Pourquoi je suis venu ici? Ah mais il s'aime pas! Jeu.
Voilà. Je sais après qu'il y a un endroit où j'allais très souvent pour les fangeux, mais je sais plus où c'était. Là, il y a la reine fangeux qui risque de popper si jamais je me rapproche trop. Donc on va éviter d'y aller. On se calme, là, les fangeux. Et ouais, ouais. Elle est là, là. Il y a différentes zones, on peut la croiser. Ça dépend des périodes. Je crois, ou d'un autre truc. Mais là, si j'avance trop, elle va sortir d'ici. La reine fangeux. Tu peux en croiser plusieurs. Hein. Des fois, il y en a une aussi à la cour des miracles, qui est ici. Ça dépend. Attendez. J'arrive jamais à rappeler dans quelle ville exactement j'allais pour... Par contre, je vais aller ici pour voir la base. Pour les... tu vas au champ levé pour les frangeux. Tu vois, regarde, voilà. Là, c'est une photo que j'avais prise. Ça. Donc, ça me fait un souvenir qui pop. Pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, Kadarek. Du coup, ouh. Ok, c'est une base à l'ancienne. Ok, c'est une base à l'ancienne qui est là pour tuer les joueurs. C'est moche ça. On voit que le mec a parti pas énormément de choses. Après, j'ai monté beaucoup de niveaux dernièrement. Donc là, je joue avec un fait main. Comment ça se déclenche, son truc? J'aurais voulu voir ce qu'il a à vendre, mais du coup, si ça déclenche un piège à chaque fois... Comment je peux gérer la situation?
Ensuite, si je volais tout ce matériel plutôt... Il y a vraiment quelque chose entre vous et moi. Je pensais que cette fois-ci j'arrivais vraiment à m'en sortir, mais non. Et du coup, on peut pas popper sur les bases. Bon, c'est pas grave, on s'en fout, on va s'en aller. Et après, tu vois, il récupère les trucs des gens. Donc, c'est un tueur de joueurs, ce mec-là. Ah non, mais c'est même pas l'anti-jeu, c'est absolument dégueulasse. Ce qu'il fait. Je suis si heureuse de vous voir. Ça va le gars, c'est la première fois que j'en vois une. En 200 heures de jeu, c'est la première fois que je vois ça. Tu vois, il est là, le Mac. Ici, c'est lui. Ah, encore quelqu'un qui est déformé. Non ? Du-du-du-du-du. Du-du-du-du. Elle se lance pas, la quête ? Mais comme je disais, Starfield, grand comportement ancien, c'est pas... En fait, c'est parce que c'est Elder Scroll. Le côté espace me plaît pas plus que ça. J'ai déjà dit un paquet de fois, hein, ça me parle pas, le côté vaisseau, spatial. Ce qui me plaît, c'est parce que c'est un Elder Scroll dans l'espace. Et c'est Elder Scroll qui me plaît, pas espace. Ah mais il est déjà fini. Ouais, l'événement est déjà terminé. Je suis arrivé trop tard. Défi, quotidien. Après il me reste un fond jeu à tuer. Je sais plus où est-ce que j'allais voir les fonds jeux à une époque. À l'école. Mais Retour vers le futur aussi est un truc, même le premier, hein, est de la science-fiction en fait. Mass Effect, j'ai du mal avec. Mais à la base, ça aurait pu me plaire, tu vois, par exemple, j'avais fait KOTOR et j'avais bien aimé KOTOR. Et du coup, Mass Effect, ce qui m'a gavé, c'est que je l'ai commencé le 1 à l'époque où le 2 était sorti. Et j'ai trouvé le Mako et les explorations de planètes tellement vides et insupportables que ça m'a calmé, quoi, tu vois. Et du coup, j'ai jamais fini. Ce sont des ghouls maintenant qui sont ici, là?
dans la maison. Ah ouais. Dommage. J'aime bien cette zone, je la trouve jolie aussi. Bon, il me manque juste un fond en jeu quelque part, on va bien en trouver un. Peut-être que je peux essayer de revenir ici, d'en trouver un vite fait. Il m'en reste un, ce serait con que je m'arrête là. Bah non, je pourrais pas dire qu'il est extrêmement mauvais, c'est juste que c'est pas ma cam. Tu vois? En fait, faut plus voir ça comme un obstacle, l'espace. C'est pas un obstacle infranchissable, mais tout ce qui est rapport avec les vaisseaux spatiaux, l'espace, Star Trek, tu vois, ça m'intéresse pas. Voilà, c'est pas les trucs qui me font rêver. Je suis quelqu'un qui suis plus côté de Dark Fantasy. Tu vois, en termes de plaisir, en termes d'appréciation, voilà. Donc c'est juste une histoire de goût. Et il y a des choses qui passent quand même, malgré le fait que ce soit l'espace. Mais du coup, c'est plus un obstacle que réellement quelque chose qui est rédhibitoire et que je veux pas faire. C'est juste que, bah voilà, c'est... Enfin, rédhibitoire est peut-être le bon terme, si, mais... Voilà, plus qu'il nous fallait. Et voilà. Essaye, on a mamie. Ok, bah du coup, j'ai eu ce qu'il me fallait. Merci à Difficulté. Mais ça reste des très bons jeux parce qu'ils te souvenaient des jeux extraordinaires. Après, ça dépend quels sont. Si tu l'as pris, normalement, c'est t'as déjà une curiosité là-dessus. La licence est extraordinaire, Mass Effect. C'est juste moi qui ai du mal avec les vaisseaux. Et t'as des passages qui sont très très chiants et rébarbatifs dans le premier à cause de ça. De mon point de vue, le Mako était pas très contrôlable. Et en fait, t'avais connu des choses bien plus intéressantes. Tu vois, c'est comme quand tu fais d'abord Assassin's Creed 4 et qu'ensuite tu fais Assassin's Creed 3. Dans Assassin's Creed 4, Black Flag, les bateaux se déplacent. Ils sont moins lourds que à la fin du 3. À la fin du 3, t'as un combat de bateau. Et le combat de bateau, j'ai trouvé horrible dans la fin du 3. Parce que tu t'es habitué au gameplay plus abouti du 4 pour les bateaux. Et devoir contrôler la fin du 3 les bateaux, tu fais, oh putain, c'est des tanks, ça se déplace pas, c'est des gros chars, ça ressemble à rien. Mais quand le jeu est sorti, c'était sûrement extraordinaire, tu vois. Et Mass Effect, je pense que c'était pareil. Ça doit être un petit peu chiant, mais c'était exceptionnel, tu vois. Cette histoire de Mako, d'explorer la planète, d'aller dans un coin et tout. Et mais c'est une licence, t'as bien fait de l'acheter, de l'essayer, vas-y, fonce. Et j'espère un jour avoir le courage de refaire le 1 et de le redécouvrir, tu vois, et tout faire. Ça me plairait beaucoup. Mais là, pour l'instant, non, c'est pas ma motivation, j'arriverai pas à passer au-dessus du Mako et des séquences, voilà. Parce que c'est comme si c'est un obstacle pour moi, l'espace. Mais tu vas peut-être kiffer, hein, vas-y, fonce. Alors attends, faut que j'aille récupérer mes trucs. Tableau, hop, on récupère mamie. Grand-mère Junko, faudrait que j'essaie de la voir l'installer dans la maison pour voir à quoi ça ressemble et tout ce qu'elle fait. Sur le commandant de la guerre, depuis le temps que je l'entends. Voilà. Il me restera plus qu'à faire les quêtes spéciales demain ou après-demain, on verra. Ah, même dans le 2, je trouve qu'il est horrible quand il escalade. Hein. Je me suis vraiment agacé donc, quand je les ai refait, les Assassin's Creed. J'en avais tellement marre. Puis en plus, j'avais des bugs de manette, le perso partait dans les coins et tout. J'avais flotté dans l'espace à jamais, exactement. Srod. Bon, allez, on retourne à la base. Et la suite, ce sera pour la prochaine fois. De toute façon, dans 3 minutes, il va falloir que j'aille réveiller chérie. Bah comme je dis, le 2 était déjà sorti. Et voilà, c'est juste un défaut du jeu actuellement, de mon point de vue, mais ça en fait pas un mauvais jeu. Loin de là. T'as largement de quoi pallier le fait que le Mako soit chiant et que les environnements soient vides ou extrêmement répétitifs sur les planètes.
L'histoire est folle, il y a plein de trucs à découvrir. Encore, l'histoire est folle selon vos attentes et selon votre point de vue, bien sûr. Mais voilà, je trouve qu'il y a quelque chose à voir. Je me demandais si vous alliez revenir. Je sais pas si on peut signaler des joueurs. Il a quand même beaucoup de plans, le mec, mais je sais pas trop ce qu'il vend. Tu as quand même 279 plans. Hein. Parce que je trouve que ce qu'il a fait est absolument horrible. Alors attends, par contre, j'ai envie de tenter un truc. Par contre, faut pas que j'y aille maintenant, parce que bon, après il sera plus là le mec. Faut que j'aille réfléchir bientôt. Et les magnifiques Unity. Après, le meilleur Assassin's Creed, je saurais pas dire, mais je trouvais tellement joli. Les bâtiments, les intérieurs, les décors. Bah, l'émission m'avait gavé. Canarman, n'y va pas. C'est mon téléphone qui sonne pour me dire qu'il faut que j'aille réveiller chérie. Hop là. Et en fait, j'aurais bien trouvé une solution. Genre, il aurait fallu péter le mur là. Est-ce que t'as vu Kenarman du coup comment elle fonctionne sa base? Mais pourquoi tu encourages ça? Comment ça? C'est, je vais être recherché. C'était le bon temps, quand il y avait plus de choses à tuer. Tu vois, il y a un distributeur. Je me demande s'il a pas une entrée pour un truc quelque part. Ah ouais? Faut pas me chercher. Mais le mec est là depuis longtemps. Faut surtout pas réparer le truc à droite. Si tu le répares, ça explose. Et ça te tue. C'est marqué qu'il y a un abri et un autre truc. Bref, faut que j'aille révéler chérie. Ça manque de cadavres dans ce temple. Non, tu vas crever. Faut pas réparer. J'ai pas trouvé de solution. Bref, on s'arrête. Mais parce qu'on sait jamais, il aurait pu avoir ta vie, il a tellement de plans et de machins qu'il aurait pu avoir des trucs super intéressants. Ça va être un très très vieux joueur, niveau 2000 quand même, tu fais pas ça comme ça facilement. Bref. Ah bah tiens, rencontre Drika, avec les photos de Drika. Ah, je suis content qu'on les voit ces trucs. Bah alors tu vas être ravi. L'histoire est bonne. Du peu que j'avais vu. Ah, mais je suis recherché, effectivement. Pour 10 pièces, pour avoir cassé le truc du gars. Bon, allez, on va se soigner et on va se tirer. Je me demandais si vous alliez revenir. Là, il n'y a plus rien à faire. Là, ok. Bon, je suis en retard. Faut que j'aille réveiller chérie. On va juste aller voir par là. Voilà, parce que c'était plein.
Donc voilà, c'est comme ça qu'ils se font du pognon. Je n'arrive pas à oublier ces cauchemars. Je flottais dans l'espace à jamais. Mais pourquoi ? Tous les deux. En fait, pour aller faire un clip, tu vois, donc Illusion et Wernsterbank, tu vois, et pouvoir les dénoncer, en fait. Parce que leur comportement est anormal et n'avantage pas le truc du jeu. Il m'a fallu que je fasse un clip, en fait, et qu'on le voit dans la rediffusion, histoire de voir si s'il y a moyen, à un moment ou un autre, tu vois, de les condamner pour leur action. Oui, il faut que je me dépêche, t'as raison. Du coup, à la coupons cette rediffusion. J'espère quand même qu'elle vous a plu, que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. On se retrouve très vite pour la suite des événements. En attendant, un grand merci à vous tous. Je vous souhaite tout plein de bonheur. Pensez positif, prenez soin de vous. Et bisous, à tout de suite. Ciao.